Oh punaise, on dirait qu'il va me chier dessus. Bonjour à toutes et à tous, c'est la Noupillou. On se retrouve aujourd'hui pour la 10e partie de Lego City Undercover. Non, non, vous inquiétez pas, ce ne sont pas vos haut-parleurs qui bug, mais mon cerveau. À vrai dire, je ne compte même plus hein, les parties 12e, si je ne m'abuse. Voilà, disons que c'est 12e partie. À partir de 2-3, je ne compte plus, vous savez. Commencez très certainement à me connaître. Donc voilà. Dans la dernière partie, donc, on avait construit ce petit héliport. Natalia Kowalski, le kiff total de Chase McCain, vous se l'avouez, était donc a atterri avec je vais y arriver. L'hélicoptère. Heureusement qu'il est venu. Et donc on va repartir, hop, passe de l'autre côté. Et donc elle était venue car son père, avait eu des soucis au laboratoire. Et donc les malfrats avaient cassé le système de vidéosurveillance. Non, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Excusez-moi. Et donc ils avaient cassé le système de vidéosurveillance, je vais y arriver. Ben mince alors. Comment fait-on pour repartir? Ça, c'est une bonne question. Oh, de là peut-être. Non. Ok. Je veux bien, moi, mais. Pardon. Ah bah voilà! Je dis putain mais je vais pas bloquer parce que je sais pas comment partir. J'ai eu peur. Bref, donc on va aller au laboratoire de son pépère. Le laboratoire du père de Natalia Kowalski. Alors, est-ce que le cocoon que j'avais complètement défoncé contre le mur la dernière fois est toujours là? Oh, ça m'étonnerait. Oh, si! Oh, parfait! Oh, génial. En plus, il y a une pièce. Eh bien. C'est quoi? Zombie! Oh, ça, oh oui, j'adore. Je suis un sadique, je vais faire des meurtres. Voilà. Oh, il y a que le voleur qui a été assommé. Alors que c'est plus l'ingénieur là qui est passé sous la roue qu'autre chose. Mais bon, bref. On va faire ça tant qu'on y est. Paf paf. Allez. On tourne. Voilà. Médaille. Je suis content. Donc voilà. Donc on va aller au laboratoire du père de Natalia Kowalski. Et. Ok. Là je me suis encastré entre la pierre et le poteau. Il peut sortir, s'il te plaît, merci. Ah, merci. L'autre côté, en plus. Putain, mais vous avez bien vu, il roule à gauche. Vous êtes d'accord? Attendez. Moi, je roulais tranquillement à droite, puis il roule à gauche, tranquille. Bah, du coup, ça fait collision, hein. Ah, non, 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 non. Tant pis. C'est juste là. Voilà le titre de la mission. Quelqu'un a vu le prof? Avec point d'interrogation. Sur l'écran tactile, c'est marqué donc accéder au laboratoire du professeur Kowalski. Hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, toujours les deux du fond là. Hein, toujours les deux mêmes. Chase McCain est un devin, il devine les codes secrets. Si moi je vais à la NASA, je risque pas de trouver le code comme ça, hein. Ça va pas me venir comme ça, comme la date de naissance. Hein. Oh là là. Coucou. Oh, t'es bien enfermé, toi. Oh, ça marche pas. Hé! T'es pas censé être là, toi? Si. Puisque t'es là, tu veux bien casser cette fenêtre et m'attraper le rayon glaçant? Je vous l'ai dit, c'est un champ de force, on ne veut pas le casser.
Enfin, prochaine fois, je ferai une voix de vieux. Eh bien, si je peux pas amener la glace au chef, je lui amène une jolie recrue toute neuve. Ah mince. Prochaine fois, au prof Kowalski, là, je lui ferai une voix de vieux. Oh, il y a du monde, dis donc, ouais. Ah ouais. Il y a du monde. Trois personnes pour moi tout seul. Oh, comme c'est gentil. Ça fait plaisir. Il faut que de rouler en arrière, ces deux-là. Wouyou! Dans le mur. Toi. Dans le mur. Ça vous dérangerait de d'être fatigué? Allez, toi, à mon avis, c'est bon. Allez, plus que deux. Allez, je sais pas si vous m'entendez au micro, ça m'étonnerait. Marteler sur le bouton, mais c'est parce que c'est tellement long. J'aime bien, moi, quand ça va vite, donc. Voilà! Oh, 7700, pas mal. On est déjà à 4956. 560, pardon. Bon. Je lui avais pourtant dit que c'était incassable. Vous faites partie des renforts, je suppose. Je suis avec Natalia, enfin, pas tout à fait, avec elle. Mais, concentrez-vous, je suis le professeur Kowalski. Ces malfrats ont volé deux de mes rayons glaçants. Ils ont semé la chasse sur l'île, le chaos, bon, sur l'île pour essayer de. Natalia était inquiète pour vous, alors elle. Attendez, ma fille est ici? Oui, elle est venue après votre appel. Nous devons nous assurer qu'elle est sainte. Qu'elle est saine et sauve. Il y a un passage de contrôle là-haut à droite. Je devrais désactiver le champ de force. Cela devrait, à mon avis. Donc, comment on fait pour monter là-haut? T'es mignon, mais. Pas comme ça. Voilà. Il suffit de demander. Mais vous voyez, j'essaye même d'aller au bord jusqu'au. À créer un bug pour choper la pièce. C'est fou ça, je suis avare. J'aime les sous-sous. Non! Pas votre droite! Ma droite! C'est con ça! Wouah! Utilisez-le! Rayon glaçant pour me ralentir! Ça va? Tu veux un sac à vomi? Oh là 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 là! Donc le rayon glaçant, c'est un. Voilà. C'est l'objet qui va nous permettre de tirer des choses. L'objet du. Du cosmonaute. Et je me rappelle que j'avais bien bugué à cette partie. Je me rappelle que j'avais. J'ai vu des petits soucis. Allez, on va tout péter, ça vous permet pareil. Un peu comme le. Comme la poule pour le fermier ou le grappin. Pour le. Le policier, le chaise. Et B, voilà, c'est comme tous ces objets-là, ça va me permettre de dégommer les objets. Ça me paraît en mauvais état. Petit coup de rayon glaçant. Pfiou. Voilà! Des quotas? T'as pas rendu? Mais il est où? Attendez, il est où? Alors là, je dis putain, mais il est passé où? Allez, retournons à l'étage supérieur. Voilà. Oh, déjà 9 minutes. Nous y voilà. Ah, putain, il y a une vitre. Passons par la porte, c'est plus simple. Nous devons retrouver Natalia. Vite! Quelqu'un est entré par effraction dans la salle d'entraînement. Cela a sûrement un lien avec la disparition de Natalia. Non, non, non.
Et voilà, mission accomplie, déjà. Enfin, déjà. Non, ça fait déjà 9 minutes, hein. Plus de... Ouais, 10 minutes. Donc là, donc, va falloir aller enquêter à la salle d'entraînement. On va prendre un petit véhicule. Pour aller plus vite. Ouais, enfin... Ouais, il roule un peu au milieu, quand même, hein. Si je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il roule un peu au milieu. Un coup à droite, enfin un coup à gauche, un coup au milieu, pas super. Et voilà, nous y voilà déjà. La tête, oui, la tête dans les étoiles. C'est bien sûr le titre de la mission. Oh tiens, toi tu m'inspires pas confiance. C'est Flash, Flash Johnson, il s'introduit. Arrêtez-le. Mais oui, mon petit, mais oui. Je vais faire ça. Natalia, ne bougez pas, je vais vous sortir de là. Putain, mais comment tu veux qu'il bouge? Bougez pas, vous trouvez ça drôle? McCain, je te croyais t'avoir semé. Tu vas me le payer, rends-toi et donne-moi ces appareils. Aucune chance, McCain. Flash Johnson. Voilà, donc c'est dans cette salle d'entraînement que j'avais bugué. Attrapez-le! J'ai vu des gros soucis avec comment arrêter la machine, puisqu'il va rentrer dans le bloc gris. En fait, il est dans la cabine du sas d'entraînement. Donc, il va falloir l'arrêter, glacer la cabine, pour la ralentir et le sortir de la cabine, tout simplement. Et j'avais bugué pendant des jours et des jours. Alors, j'étais plus petit, hein, ça fait peut-être... Enfin, j'étais plus petit, j'étais plus jeune, voilà. Ça fait peut-être, peut-être bien 2 ou 3 ans, 2 ans. Ouais, 2 ans. Et attendez, il est sorti en 2012 le jeu, oui, ça fait 2 ans. Et voyons de quoi t'es capable. Et j'avais bugué, mais waouh, quoi. C'était chiant, quoi. Je savais pas comment faire. J'espère que je vais m'en tirer mieux, si je ne m'en souviens peu. J'espère ne pas avoir besoin de solution. Très con, hein, j'ai une licence de Lego. Comme quoi, voilà, oui, au fur et à mesure, ça se complique. Tout à l'heure, début de la vidéo, j'étais bloqué sur l'héliport, comment sortir. Bon, ça c'était parce que j'étais un petit peu con, mais Mais bon, voilà, vous voyez, ça va se compliquer, vous allez voir, ça va se corser. Il va falloir faire mieux que ça, McCain. J'aime bien la roulade que j'ai fait vers la droite. Wouhou! Attrapez-le. Voilà, on va se retaper trois couillons, hein, on peut le dire. Ils sont moins vifs que les trois d'avant, j'ai l'impression. Ce geste, quand il n'y a rien à faire, regardez. Oup. Ah non, ça. Boum. Il part en avant, je sais pas trop ce que ça représente, ça fait un petit peu con, mais bon. Vite, lâche-moi, toi. Vite. Voilà. Toi. Mais toi, ouh, je me défoule, hein. C'est un bon défouloir, ce jeu, hein. Je l'apprécie, je l'aime bien. Voilà. Je me décale. Ah non, c'est pas tout de suite. Oh. Mais je saute pourtant. Pas mal, enfin, un boss, entre guillemets. Qui attaque, ça fait plaisir. Moi j'aime ça. Bon, il attaque pas beaucoup, hein. Mais bon, moi j'aime bien. C'est déjà ça. On va attaquer ou... Non. Bon. Allez, qu'on en finisse. Donc là, voilà, vous allez voir, c'est la dernière fois que je le dégueule. Voilà. Et donc là, voilà. Il va sauter dans la machine. Voilà, il va s'installer dans la cabine d'entraînement et faire le couillon, et après il va pas savoir comment l'arrêter. Et vous allez voir, il va falloir sauter. Voilà, donc là il va falloir tirer dans le rond bleu. Ouh, voilà, ça dégomme. Je veux mes sous. Non mais je veux mes sous.
Voilà. Donc j'ai pas la petite pièce, mais je m'en fous. Bon. Donc voilà, j'avais bloqué longtemps, longtemps, longtemps. Et ce n'est qu'après que j'ai compris. Après des jours de recherche effrénée. Alors, il me semble que c'était sur les bords pourtant. Bon bah ça commence bien. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ralentis? Voilà, c'était tout con. Et voilà, il me semble que c'était à ce moment-là que. À moins que. Non, voilà, je me souviens, enfin. Putain de mémoire. Ouais, il fallait tirer dans le rond et le jeu, il me semble, avait bugué ou quelque chose comme ça. Les boutons marchaient plus. Il y avait eu un souci pour viser dans la pastille bleue en fait. Voilà. Ouf. Et voilà, là va falloir enclencher les interrupteurs. Vite ça si tu peux, McCain. Mais je peux, mon petit, je peux. Oui, en haut, il y a plein de plateformes un peu bizarres. Donc c'est ça qui m'avait perturbé, voilà. Et à chaque fois, il va falloir toucher la pastille bleue. C'est ça qui m'avait. Je n'avais pas compris. Voilà, rien de plus compliqué. Oh, déjà 17 minutes. C'est fou comme le temps passe vite. J'ai l'impression que ça fait 2 minutes que je viens de commencer. Comme la dernière partie ou l'avant-dernière. Ça m'a fait le même effet. Là, pareil, il va falloir sauter. Allez, suicide au niveau des genoux. Wow! Voilà, après, la pastille, elle est où là? De côté, toujours, et hop, on va faire le tour. Par contre, j'ai jamais été aussi con au point de vouloir foncer dans le truc pour passer entre les éclairs. Non, j'étais con, je vous l'avoue, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, quand même pas. Là, là, allez, punaise. Voilà, après. Bon, c'est long, hein, ça je vous l'accorde, c'est long, c'est chiant, c'est répétitif, mais bon, il vient de faire un moment, donc. Voilà, on remonte sur la plateforme, on descend, on appuie sur l'interrupteur, on remonte sur la plateforme, on descend, on appuie sur l'interrupteur. Il me semble cela 3 ou 4 fois. Non, plus qu'une fois, voilà. Allez, ouh! Oh oui! Ça fait du bien, ça. Oh oui, 2 fois! Oh oui, 3 fois! C'est bon, hein? Tu te calmes un peu, chaise? On va y arriver. Voilà, on va arriver à descendre. Et voilà, le troisième interrupteur. Allez! Oh oui! Fait du bien. Et là, faut du time. Faut avoir le timing hein, dans le sang parce que il y a deux bords, donc faut pas se prendre les deux. La petite cinématique, je me tais. Ouh. Ça pourrait me servir, ça. Hey Chase, on va rapporter la journaliste au commissariat. Très bien. Et voilà, mission accomplie, on va quitter Apollo Island, on a réussi à sauver Natalia Kowalski. Petite cinématique encore. Merci papa. Ne vous inquiétez pas, j'ai attrapé le type qui vous a fait ça. Ce n'est pas lui. Tu l'as entendu? Tu peux t'en aller. C'était un autre type, c'est. Était-ce cet homme-ci? Peut-être. Oh, sauf qu'il ne portait pas de masque. C'était lui?
Je veux dire, c'était lui? Oui. Un instant. Je ne voudrais pas affoler Natalia, mais si elle peut identifier Rex, alors elle court un grand danger. Conduisez-la dans la forêt de Bluebell. Elle devrait être en sécurité au bureau du shérif. Entendu. Bonne nouvelle, on va partir en vacances. Rebondissement dans l'affaire. Dans l'affaire Rex Fury, et oui, elle, Natalia Kowalski a reconnu Rex Fury. Et donc l'a identifié. Et voilà, donc ça fait déjà 20 minutes. On va se quitter, je vous épargnais ce putain de chargement. Et donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!